Mbote mwana mboka gi, mbote na bandeko nyoso oba zwili baku ya kulanda biso na moko wa lelo na Congo Life Television. Merci beaucoup mwana mboka chedeleon, ozali moko moi politiko ya Republique Démocratique du Congo, oyo ozana moko wa baike NLP, ozali parmi ba cadre, pe parmi ba communicateur ya mwana mboka Fandengo, tobete solo etani Republique Démocratique du Congo. Sans pitande mwana mboka chedeleon, to kola biso esi kota la discours ya chef de l'État na kati ya tribune ya Nations Unies, oasili. Pour que ça va y moka vérité ce qu'on éclaircit la communauté internationale concernant sur plan sécurité à est la République du Congo nous dit que ça a toujours menacé pas bah y groupe rebelle ou groupe terroriste et bah 1-23 ou bah c'est pour se caparer dans une grande ville la République du Congo notamment dans le Congo Bulaganda ça plus on a 4 mois où groupes armés bah c'est pour se caparer dans 4 villes du Congo. Deuxièmement, on a aussi du côté de la révocation, il y a un bon enfant qui a été révoqué, parce qu'il s'est rébellé dans la partie, il s'est révoqué, il y a un bon enfant qui a été révoqué, parce qu'il faut respecter le texte, il y a la partie TMLP, il y a un bon enfant qui a été révoqué dans la partie, il y a mieux placé qu'il y a un bon enfant qui a été révoqué dans la partie, révoqué dans la MLP. Et on a aussi du côté de la Maponomie 2023, est-ce que réellement la Maponomie est là, tu as jusqu'à maintenant, rien ne bouge d'un côté à CENI, est-ce que réellement que 2023 il y aura des élections ou pas? Là, parmi ma pote, je vais me encore bonjour, mon amour, j'ai Mbote mwana mboka, mbote yesus na bandeko bazili baku ya kulanda biso na mokwa lelo na Congo Life Television. Na zawa na po na koloba bo solo, po na korepondre na ba question na ba inquiétude nyoso o ba kreye andendom politique au sein de la classe politique congolaise. Mwana mboka, fato kota na mapo, mwana mboka, papa ima ba question na po ni mokwa lelo, mwana mboka, mwana mboka, jendeyo. Totali saki na po leete mboke zo tambo la mabe prevane, Boko mona est de la République kino lelo 4 mois bunanganda ezali na maboko ya troupes étrangères. Ça démontre à suffisamment que l'incapacité du régime oyo baza incapable ya ko sécuriser la souveraineté nationale appartient au peuple congolais tel que stipule l'article 5 de la Constitution. Rendez-vous du donner du recevoir. Peuple apesa ki pouvoir a vota ki yo, yo pesi insécurité, yo pesi tuerie, yo pesi makambutu ya mabe. Yango wana, nyoso o MLP lobaki, nyoso o honorable Frank Diongo atalisa ki ete, régime oyo ekei mabe, peuple congolais asili ko comprendre yango, TV zali radio te, nyoso zo tambola mabe. Exemple, tout au long ya boulevard, okomo na ba mama ba koteka bazo ko risquer vie na bango o mutuke ko tutaye pourquoi ba koteka wana mboka ezotambola mabe nzala ekoti peuple a ko lia bien te peuple a ko sala te aza mal payé impayé pe baza ba chômeur ce qui nous surpasse ezali nini République démocratique du Congo qui est membre au sein de l'Union africaine mais aujourd'hui Monsieur Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine actuellement, au on a tribune, il y a Nations Unies, a plaidé pour d'autres pays, au Yobaza, membres de l'Union africaine, tels que l'Ukraine, tels que la Russie, pendant que la République démocratique du Congo, na est, Batubakokufa, a tenir compte de l'autre. Moi, je suis mboka, je suis mboka, la République démocratique du Congo, je suis membre de l'Union africaine. C'est-à-dire, M. Félix, je suis président sortant de la communauté de l'Union africaine, les lois sont les membres. Mais je tenir contre la souveraineté nationale de l'Abissoté. Je suis en train de défendre, je suis devoir sacré. M. Macky Sall, au Azali, président du Sénégal, président en exercice na Union africaine, a plaidé pour na Ukraine, a plaidé pour na Russie, ba sanction et longwa. Mais ya Congo sanction, au yambago a plaidé te, mais ya Congo makambu ya est a plaidé te. Makambu etien tiseke diwa mulumba. Les Sphinx, wa lobaka, prenez-vous en charge. J'invite
peuple congolais va se prendre en charge à tel point que la République démocratique du Congo, Oyo ezali le poumon, il y a des ressources naturelles, il y a monde pour tous les gens qui ont été en train de se tenir compte de la souffrance, de tenir compte de l'insécurité. Ils n'ont pas si le peuple doit se libérer, le peuple doit être mis en charge, afin de respecter l'obligation constitutionnelle, conformément à l'article 63 qui stipule que tout Congolais a l'obligation de défendre l'intégrité nationale congolaise. Yango na sengi na baimboka na rappelé bango bango bazali souverain conformément à l'article 5 de la constitution pour ngai na zui chance ya ko vivre na ko rédacteur ya constitution qui est mon président l'honorable Frank Diongo. Yango to ko défendre to ko talisa peuple ay bana ko fongola misu ay bana ko telema pour na koloba moi na mboka Félix Tshisekedi la tribu des Nations Unies a ko se plaindre un état non na ko kende po ko sala bien té aussi ko pengelo ko moko a ya motu ebele président en exercice ya Union africaine na mboka makisa le président Sénégal ça qui té remise reprise na mboka peut toi Tshisekedi mais pourquoi a plaider pour la République démocratique du Congo té na tribu des Nations Unies analyse ne ko sala po anini a propos ko ko pele na mboka musu ya musika analyse ya kotali sabayimbo kabayete l'incapacité du régime la République démocratique du Congo oyo République démocratique du Congo régime actuellement est incapable pourquoi bino botali sa na baitandoike que diplomatie agissante wapi diplomatie agissante oyo bazo tenir compte kututé na représentativité ya République démocratique du Congo na kati ya Union africaine c'est inacceptable on ne peut pas accepter l'inacceptable pendant que Sénégal ezakutu ndemo na République démocratique du Congo te et la République démocratique du Congo tous les pays contre la République démocratique du Congo et République démocratique du Congo azo compte na port na bon oba ko sale le côté wapi diplomatie yango total ici peuple congolais te diplomatie wana et aboutir na rien excès de voyage wana et aboutir na rien et toucher kaka trésor public yango tolobi été et bongi peuple se voit en charge ndenge spank si alimeté atali sakabiso été prenez-vous en charge moi na mboka Guilain au monde monsieur Félix devant tribune des Nations Unies au à côté li ça été Rwanda ko menacé un état ne se plaint pas mon mboka un état na kati ya état tous ayez un principe, il y a rapport de force. Un État, lorsque vous attaquez Bino, lorsque vous faites un constat, vous devez agir. Et j'en veux directement à ces gens qui sont qualifiés que FRDC est incompétent, compétent et ils sont capables. C'est au leader. Bateau bako détourner bateau bako tiela bango misoloté bateau bako sesa bango bajé bako pesa ordre mal donné yango zomonaka makambo eko simbakate o ba initié opération sokola 1 o ba initié opération sokola 2 o ba initié état de siège ezo simbaté pourquoi ezana ba farce du point de vue ya fond MLP o ezana na capacité ya ko silisa makambo na nyoso au moins de 6 mois, le peuple congolais a voté honorable Frank Diongo comme candidat président de la République en 2023. Il y a un peuple congolais, il y a un téléma, il y a un bengala, il y a un peuple dans l'Est, pour ceux qui ont beaucoup de libino mboka, beaucoup comme un esclave, il y a un Israël, il y a un Égypte. Je suis un candidat président en 2023, mais je suis un peu plus de temps. Frank Diongo a été fait. Un grand diplomate, c'est un grand diplomate. Parce que quand on a dit, papa, il y a un politique, mais il y a un diplomatie, c'est un peu de temps. La diplomatie est très agissante. Bon, bon, il y a un peu de diplomatie. Moi, je suis en Cyprus, République, dans le conseil, il y a un casque, il y a un monde. Je suis en Cyprus, parmi la COP27, la République, il y a un peu de participer. Bon, bon, il y a un peu de diplomatie, chef de l'État, moi, je suis en Cyprus. Les problèmes exagent du point de vue à forme et à fond. Nous avons vu qu'il y a zone ici République démocratique du Congo, mais font peuple a souffrir. Or notre testament au papa Étienne Atiki, la Frank Diongo comme héritier,
y a lit y a idéologie éthique et tient tshisekediste et allié était le peuple d'abord. Monsieur Félix Tshisekedi, aux encontres, il y a principe établi, au bon monieté, na ba étendue qui ça a été diplomatie et simbité, voire même Congo, même l'Union africaine et reconnaître la République démocratique du Congo et plaider pour la Ukraine et plaider pour la Zambie, pour la sanction en Zambie. C'est grave. Yango monaki MLP, honorable Franck Diongo, atali ça qui a été soutenir une personne qui a dévolé. To soutenir mon amboka pour na rotali ça a été au début abanda ki bien mais à la fin azo kende mabe pour atteindre mina ligne rouge peuple congolais baye baye été au début ezala ki bien mais lelo ezo kende mabe yango to kabona ye comment parce que vous qui pour ça là qui bob na mini bob na ministère bozu ministère de vous avez qui mandataire bozu que c'est là veut dire au moins de se rebeller la mino contre faire toi de ce que dit mon amboka oh ninga zo mon amboka mettre de que tu fais mon amboka fond de là qui poste et moi je poste terre moi pour zamba se rebeller na opposition pas ben ninga contre mon amboka faire toi de ce que non et bongi baye baye té dio na biso na pouvoir en place ezala qui basé na objectif moko o ezali na feedback principal Ezalaki le peuple d'abord. Dès lors, Oyo mon amboka Félix Tshisekedi, abandaki ko marché na ligné, nous étions avec lui. Et après, honorable Franck Diongo, l'homme de principe, Oyo, on devait respecter le principe établi, Oyezali le peuple d'abord, tango monsieur Félix a komiko kende aux encontres. Et bongi ko talisa peuple congolais été azo kende mabe pe ligné na biso ye a komiko tengama. On ne peut pas d'abord accepter de voir un kabiliste du sang pendant 28 ans ou 18 ans dans moins de 2 mois à comme un tshisekediste du sang. C'est inacceptable. Alors, où est allé Samuel Batunyonso, changement de camp, où est battu l'État Moïni, où est l'État le pouvoir pour le peuple, où est transformé en commis contre le peuple. Honorable Franck Diongo, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais tué, ou alors qui non, ensemble na soutien à MLP, ensemble aux ezali peuple congolais, oyo batali c'était ebongi okabwana ye, nakokabwana ezali nini, l'instinct personnel du pouvoir s'oppose contre le désir de servir le peuple d'abord, yangwana tokabwana kina mona mboka Félix Tshisekedi peto pelisié to pesié carton rouge. Bato ba okoloba ke mona mboka Franck Diongo asela ki poste ministériel. Non, et bongi boye ba été na époque ya gouvernement Ilunga Ilunkamba. Tango mona mboka Franck Diongo abimi na prison après grâce présidentielle, monsieur Félix a proposé un poste ministériel. Mais l'objectif de l'MLP ezala ki nanu e bongi ko kabola mariage ya dictateur na démocrate. Bongo ko ligne ligne de conduite oyo pepe kongonyo sokoyo kolanda de to kabola ki libala wana bomona ki ndenge tata ekolo monsieur Félix abandeki koloba maître fois na ba communicateur ba ko lekana ba koloba chef de l'état a bloqué à cause ya mariage FCC. Alors nous on a donné notre rapport to kaboli libala wana pour le lo peuple se retrouver, mais malheureusement to moni l'incapacité du régime au bazana volonté ya rosale ya peuple congolais te yango esali ete MLP la machine politique. Donc, boy ko sa na bango parce que ba proposa ki MLP a kota na gouvernement to lobi to kota na gouvernement ya muyibite to kota na gouvernement ya gabegie financière te to kota na gouvernement ya ba détournement te to kota na gouvernement ya bunaganda te biso to vandi awa boko rouler na ba carrosse mais bunaganda ezali 4 mois encerclé. MLP travaille pour l'intérêt ya peuple d'abord. Oyebiete depuis papa Etienne Tshisekedi akufa, honorable Franck Diongo a une détermination, puis a un devoir, une obligation, oyo y a incarnation, y a qu'au libérer peuple congolais, n'a pouvoir contre le peuple. Oh monsieur Félix, a y qu'au instaurer. Pour libérer peuple congolais, puis on a coupé ce zoom, on a déjà le carême dans la cabine, déjà qui n'a qu'un cas, c'est tout. Moi, l'ambo kaloba bo solo na bayo nyoso. Même par l'obité, cabine n'est mutu mikolo zo financé, t'es, on peut dire l'ambo Franck Diongo t'es. Et bon, vous avez mon amboka Franck Diongo a tiré la cocotte en Kabila Boyete. N'a expliqué. Au Canada, il a proposé mon amboka Kabounde
Mais c'est Kabila a envoyé à plusieurs fois Batouba émissaire pour écouter un honorable Franck Diongo de façon que à côté d'un gouvernement aloba na koki ko travailler na mutu oyo azali ko travailler contre PPT atali ça na pole enseignement coin ti coin oyebi été tous les partis politiques au bazali animé na égoïsme les caractères mesquins des politiciens congolais au bakota ka na gouvernement na régime yandeko Kabila. En aucun cas, l'honorable Franck Diongo a sikala kokota, animé de l'esprit de l'altruisme, bolingo ya mboka et le kanyoso, yango aboya ko travailler na ndeko Kabila. L'andendon politique, o batu ba yebite, o batu ba comprendre te, que mon président, l'honorable Franck Diongo, a créé, c'était pour l'appel à l'unité, ndenge na obi ke bolingo ya mboka le kanyoso, mboka ko kende mabe, lisapi moko ezoki nzoto mobimba pasi. Est la République, ils allaient encercler na Bunanganda plus de 4 mois. Mon amboka Monsieur Félix, ils allaient au sommet de l'État. Le fils de Papa Étienne Tshisekedi, même beaucoup qui ont été mabé. D'ailleurs, l'ingi Frank Diongo, Tshisekedi, Papa Tshisekedi, a quand même beaucoup non. Tellement de connaît Félix, a ça mabé, tout bête tellement beaucoup. Jamais, bah tu vas couper na combat oyo. Bah tu vas belé babela, bah kanga bangou bah restation à libérer n'engagé na loba. Oh, au moment de Bakoufa qui le 18 septembre, tu fais qu'il y a le 18, na terrain municipal, précisément date c'est le 19, date historique. Mais eloko okoloba, Franck Diongo a couté en amont l'amboka Joseph Kabila te. Pour Joseph Kabila, banga ka Franck Diongo makasi. Oh, yemoka yé place à Zalabi, non. L'opposant historique c'est Franck Diongo. Et l'homme à la place qu'il faut c'est Franck Diongo parce que n'a proposé ba poste, n'a proposé nyonso. Oh, aboya kosala. Bolingamboka ndele kanyoso muto na kangisa muto aboya ngato na zana kata pouvoir nde nana pouvoir susute nde yakoya koza pouvoir ezana sensité pepe bonga comprendre été Kabila tonga zaki na pouvoir Franck Diongo luka été azali sou na pouvoir té azali sou atane logo té Franck Diongo ki luka pa na yini donc pepe kongola pepe bonga yeba été na kati ya pouvoir nde baliaka donc tozaki na kati ya pouvoir to bimi pouvoir pour na intérêt ya peuple pour na kotali sabango. Ndeko Félix a dirigé mboka mabe yango mo biso tozaka te libanda a donc bolingo ya mboka ndele kinyoso ezali caractérisé na combat ya honorable Franck Diongo o jeunesse congolaise on a ko pesa bango merci longonya mingi na meeting populaire o bayaki na terrain municipal ya Masina ezaki le 18 ndenge baki koyoka pe basengi na mwana mboka Franck Diongo a pesa ndeko Félix carton rouge pe pesa maki. Oh, il y a été en 2023. Non, je ne sais pas si tu as un meeting. 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 Les doyens de l'opposition, les doyens de tous les politiciens, actuellement, c'est Franck Diongo. C'est vrai. C'est Franck Diongo. Okay. Les doyens de tout parti politique, ils allaient leur parler, l'IDPC, l'MLP. Et bien, vous voyez, il y a des partis qui ont des décisions, MLP. Alors, Franck Diongo avait déjà prononcé que non, tokoza na meeting populaire na Tchangu et tokotambola district par district ainsi que Congo Mobimba. Yango monaki bana mboka bayaki ebele pona kokanisa bandeko oyo ba réclamaka élection na 2018 oyo ba déclaraka élection 2016 pardon. Oyo obligation constitutionnelle et 5 élections zalaka chaque année na date moko précise au ndeko Kabila asilaka ko sala yango te pona ko réclamer élection ba kufaka pona ko réclamer élection ba bomaka bango pona ko réclamer élection ba kangaka bango injustement yango MLP to bosa na passé te to ko bosa na bandeko na biso te contrairement na pouvoir actuel ba bosani ke combat oyo pouvoir oyo ezali ya prix ya sacrifice ya bandeko na biso ba kufa au bamba ko sa gabegie financière yango monaki MLP kendaki ko rendre hommage na
ba journée démocratique na biso pona bandeko na biso nde peuple congolais sengi na mona mboka Frank Diongo tokoki ko bosa na altruisme ya bandeko ba kufate e bongi to continuer combat pona changement afin que to longola système politique ezali ya mabe onde ko Félix a instauré. Je ne sais pas si vous avez un respect. Azali président national ya mouvement lumumbiste progressiste na bandeko omoni obaleka na ba etandoike obasali ba discours farfeli ya koloba ete ba révoquer mwana mboka Frank Diongo bonna ebiso ete na dispositif statutaire na biso po stati ya parti politique nde Azali libeko likundi ezali lokola la constitution etali si ete ce qui osali 4 séances ya ba réunion oyakate osali inscrit na poste na yo c'est-à-dire 4 séances on est bongo za na ba justification e bande ko no moni batika ko za na ba poste te po ba sa ba ne ba yaka sous parti te alors ba za ba am perdu ba juisser onde ko Félix o ba se juir ba sa ligné na ligné ya jouissance ya pouvoir actuel au bazali débauché toyebi na biso c'est le jeu du système bande kwana bazali révoqué non par le président Frank Diongo mais par nous la jeunesse to bengana bango pour ba viola ba principe établi ya constitution na biso ezali stati ya parti batika ya kozala te mwana mboka Frank Diongo azali président national du mouvement lumumbiste et puis azoko assurer bon fonctionnement il y a mouvement lumumbiste progressiste pour vision Patrice Emery Lumumba ebongie koba vision il y a Kondo Etienne Tshisekedi ebongie koba yango moni MLP ezali mobilisé ezali déterminé il y a kozwa pouvoir pour un changement en République démocratique du Congo na bande ko na nyoso komona les inciviques bazui ndingisa ete bazata na droite ya kosala activité au nom de l'MLP parce que bazali révoqué bangonde bazali chassé toyebi ete l'ancien système une rétrospection yande ko Kabila ezalaka ko débauché ko dédoubler ba parti politique toyebi ete pal copie ya système oyo bazui rétrospection ya histoire yande ko Kabila bango pe basala ngo na actuellement mais ba tapé à côté pour bande ko wana bazana ni qualité ni compétence pe ba yebanité nga ko mungu na leki bango tout na succès na yebani ko leka bango tout donc ba yebanité bazana ni qualité o bazala ka kuta tate na parti o ba ya ka pe kuta tate donc le système c'est jeu politique o basaliana ba échoué pour ba jeune nyo so MLP ba cadre nyo so MLP bazali derrière honorable Frank Diongo pe bango wana bazala ba cadre te bazala pe ba cadre te. Merci beaucoup, mon amour Patiendeur. Tu parles de ma problème. Bonne bonne, ma problème. Est-ce que réellement ma problème va en 2023, mon amour Patiendeur? Tu n'es pas un problème. Tu sais comment on a ta signe, mon côté, que ma problème va en 2023, mon amour Patiendeur? Dialogue est cause à la thé. Pourquoi dialoguer? Yokana et Bissau, mon amour Patiendeur. Dialogue est cause à la thé, ma ponami et bongiezala. C'est une obligation constitutionnelle. Oye, talisier était élection et bongiez salama. Na délai raisonnable mais contrairement à ce que nous voyons ata indice y a élection exalité j'en veux Denis Kadima il doit respecter ses paroles telles qu'il y a loba qui était élection et kozala na délai moro constitutionnel et j'en veux au premier ministre Sama oh il faut décaisser une somme d'argent de façon que et permettre mon amboka Denis Kadima élection exala MLP parti cher de l'honorable Frank Diongo, on va aligner des députés, on va aligner des candidats députés dans la circonscription Nyonso, dans le niveau Nyonso, Frank Diongo, Azali candidat président de la République. Il faut élection Izala, élection Ekozala, parce que dénominateur est l'état des droits. Bon, le Barnabiso a été le peuple d'abord. Bon, le Barnabiso a été l'état des droits. Ils allaient respecter le test, ils allaient principe établi, ils allaient dénominateur commun, ils allaient respecter la constitution.
oye talisi ete élection ebongeza la pe élection ekozala. Merci beaucoup moi mboka ça tout comment système ça mais on mena suka dans les années peuple bay batelo partout en monde. Message ya suka ya émission ezali ete peuple congolais l'homme de l'altruisme moi la mboka Frank Diongo azali derrière bino à ko décevoir bino te à ko défendre bino jusqu'au bout jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, je suis le coordonnateur du mouvement, et j'ai le cri du peuple, et j'ai soutenu l'action de l'intérêt du peuple congolais. Je suis le coordonnateur du mouvement, je suis le coordonnateur du mouvement, je suis le coordonnateur on a coupé sanga opportunité à Kolekana na Congo là pour na baimbo kanyo so bazaki na souci ya koyeba actualité ya mouvement lumumbiste progressiste parti chez honorable Frank Diongo. Merci beaucoup mon amboka. Merci mon amboka.